Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Vous voyez ce décor derrière moi? C'est mon nouveau chez moi. Et aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment j'en suis arrivé là. Comment j'ai refait tout mon ancien salon. Et aujourd'hui pour vous montrer ce nouveau setup, ce nouveau salon, je serai pas tout seul, je serai accompagné du magnifique, de l'étincelant, le N, messieurs dames. Putain. Messieurs dames, bonsoir. Nous allons passer à la vidéo actuelle qui est nouveau setup. Nico? Oui. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui tous les deux? Pourquoi on se retrouve aujourd'hui tous les deux? Pour vous présenter notre nouveau setup. Notre nouveau setup. C'est le nôtre. C'est le nôtre. Bon, vous voyez bien le décor tout autour de nous. Ça tue, n'est-ce pas? Et en fait, bah, où j'habitais avant? Dans quelle porcherie? Regardez maintenant, je vous montre des images de mon appartement avant. Et on va vous montrer comment on en est arrivé là. Comment j'ai refait tout ce salon. À de fuite. À de fuite. On sent que Nico est passé par là. Ok, donc vous avez vu, on part vraiment de loin. Le salon, il était complètement pourri suite au tournage qu'on a fait où on mange des dingueries. Lien juste ici, là, si vous voulez, là. Ou là. Ah, t'es chiant. Du coup, plein de péripéties pour en arriver là. On allait acheter un bureau. Voici les images. Bon, les gars, on commence la construction du setup. On achète les pièces. Oh, nickel, non? Franchement. Ah, tu fais le petit chemin. Parfait. Bon, nickel. Hein. On range tout ça, on ramène à la maison et on continue à acheter des trucs sur le bon coin. Bon les gars, il est 4h30 du mat. Ça y est, le bureau est monté. Enfin. Voilà, donc vous avez vu la péripétie pour acheter ce magnifique bureau. L'écran, on est encore sur une dinguerie, je vous laisse les images encore, on a pas le temps. Toutes les refs seront en commentaire, non, je rigole. Tout sera en description normalement, sauf si j'ai eu la flemme. Est-ce que j'aurai la flemme, Nico? Oui. Qu'est-ce qu'on a acheté, Nico? Bon là, on voit pas, on voit juste le pied, tu vois. Oh les amis, vous allez voir la vidéo dans 100 ans. Vous allez serrer les amis. Ok. À moi maintenant. Attention, attention. C'est moi qu'on voit là. Ça va bien. Bon là derrière les amis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit écran pour le setup. Immense gros, immense. Il prend tout le coffre. Regarde-moi ça vraiment, ça avec la tête de Nico sur le côté. Regarde. On dirait pas une photo d'identité. Bon allez, c'est parti les amis. C'est honteux ce que je fais. Carrément mon coffre il tient pas, je suis obligé de faire ça. Et du coup en dessous on a l'écran. Putain, on a attaché ça avec du scotch et tout, franchement. Zéro respect. Oh là là, je vais galérer à le porter tout seul. Je suis dans la merde. Ça fait tellement peur comme ça au milieu de la route. Allez, c'est parti. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas de canapé. Je dormais sur un matelas gonflable dans le salon, mais du coup, on a tout changé. Les invités dormaient dans un. Les invités dormaient dans un. Oui, sur un matelas. Chambre. Ouais, j'ai une chambre. Moi, je dors dans mon lit. Mais les invités sur un matelas gonflable, frère. Vous allez voir les péripéties avec mon frère. On allait acheter un nouveau canapé. Ouais, on est avec le frangin. Ça va la location? Ça farte. Tout neuf le camion, 253 km. Tout neuf. Je crois qu'ils sont inconscients de nous avoir prêté un camion tout neuf. Pour l'instant, tout va bien. Elle vous fait coucou. On a pris une location, un camion en location. Mais alors, le danger quoi. Le canapé est à l'arrière. Ah, tout à l'heure, on conduit, le canapé il tape dans tous les rebords, il fait des bruits comme. Ah bah voilà. On cherche, hein. On cherche vraiment à payer la caution. Quand on a mis le canapé, on a juste à racler tout le sol. Bon, Leclerc, merci de nous avoir prêté le camion. Nous on va vous le rendre en bon état. Enfin les amis, bientôt le setup il est fini. Heureusement mon frère il est là pour conduire hein, parce que sinon je vous raconte pas. Et en plus il a pas le permis. Il a pas le permis. Mais je suis bourré. Prochaine étape le PC. 2 hours later. Nickel hein. Nickel. Oh ça se voit de ouf. T'as pas vu? Oh là là. Bon bah la caution. La caution, bof.
faut que je nettoie le sol. Bonsoir. Clochard. Voilà. Voilà. Alors que pensez-vous Écoutez, je pense que c'est une bonne opération. On ouais. a ramené le camion avec la location. Ouais. Voici. Putain, toi. Fais gaffe à ton pied. One eternity later. Voilà. Faut le redresser, là. Putain, mais t'as fait de la muscu, toi, tu fais quoi? Non, mais là, je sers à rien. Ouais. C'est bon, le canapé, il est là. Ah, mission accomplie. Mais vous verrez en fin de vidéo tout le setup comment c'est. Là, il se réchauffe avec un petit feu artificiel. C'est normal, ma télé elle est restée ici. Mais j'en ai racheté une autre, vous allez la voir. Le même écran mais en plus grand. Je sais pas comment je vais faire tout seul mais. C'est une galère. Pour continuer, j'ai acheté une enceinte Bluetooth avec des LED. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'achète pas les trucs en brut. Je négocie, je négocie, je négocie, je descends les prix. Mais toujours 3 ou 4 fois moins cher. Pas vrai, Nico? Ensuite, je me suis commandé un petit clavier, petite souris blanche, parce que moi, j'adore le blanc. Bon, les amis, je suis de moins en moins présentable. J'ai le syndrome de l'antenne relais 4G de SFR. Et là, du coup, je viens de recevoir un nouveau colis. Je vais vous l'ouvrir de suite. Il y avait une ouverture rapide, facile. Regardez, ouais, je suis en train de lui faire une prise. L'ouverture rapide. Oh la dinguerie. Tada. Et du coup, pour continuer la dinguerie, je vous montre ça de suite. La petite souris qui va avec. Mais c'est parfait tout ça pour aller avec le PC. Et là, on va passer au PC. Le PC. 2000€ sur le papier, acheté 1250. Ouais les gars, aujourd'hui je vais aller acheter le PC, donc j'ai les sous, on va le tester, on va voir s'il est bien, et puis c'est presque la fin du setup, je vous reprends dès que j'ai le PC. Il est là, il n'y a plus qu'à le remonter, et c'est bon, on a le PC. Je suis acheté aussi également un petit astronaute lumineux que vous pouvez voir au-dessus de la tête de Nico, du N. Il va bien l'astronaute? Il va bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est bon, tu peux te décontracter mec. Bon, je vous épargne tous les achats, les prix, les négociations et tout, parce qu'en soi, on va direct au vif du sujet, le setup. J'ai acheté également cette commode, hop, pour mettre tout mon matériel vidéo. Bon les gars, on continue, on n'arrête pas. Petit meuble pour ranger tous les accessoires vidéo, les dossiers, les trucs et tout, les idées, tout ça. J'espère que vous êtes restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Le dernier truc, la chose la plus importante, la chose que j'ai acheté, qui sentimentalement me touche. Voilà. Ça me touche vraiment d'avoir acheté ça. Je l'ai pas acheté cher, parce qu'il était en rabais.
Ça coûtait pas très cher de toute façon. L'ancien propriétaire l'a trouvé à côté des poubelles. Voilà, donc je vais vous dire ce que j'ai acheté. C'est tout simplement le N. J'ai acheté le N. C'est pas mieux là. Moi là, comme ça là. Cette place là. Donc écoutez, on va finir sur ça et je vous souhaite encore une bonne vidéo. Je pense que le montage sera encore de plus belle. Activez la cloche, des j'aime, des partages, des commentaires. Donc calme-toi. Vous avez vu? Pas cher, mais des fois il bug un peu. Niveau qualité, il est pas ouf. Non, calme-toi, j'ai dit. Chut. Sur ce. On vous laisse tout de suite avec les plans séquences du setup, j'espère qu'il vous plaira. Bon l'équipe, on reste sur ça et je vous souhaite une bonne soirée et la bise. Wow. C'est ouf. C'est bien. C'est trop bien. L'écran, tu t'es lâché. Hein. Tu t'attendais à ça? Non. Pas du tout. Il y a du feu partout. Bien vu. Futuroscope. Voilà. Ça t'a donné du. T'as respect un plan en fait. Oh quoi je sais. On regarde l'écran. Tu crois que tu peux me mettre un écran? Ouais. Voilà Béli. Nah c'est. Je pète un plan frère. C'est bien ou pas? Mais comment tu as pris? C'est même beau. T'as vu?